Eh bien yo, salut tout le monde, c'est le dragon 09, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Jurassic World. Ça fait un moment que j'y suis pas allé, parce que je devais télécharger 1000 mémoires, autant te dire que ça prend du temps quand même. Bon là, ça allait relativement vite pour télécharger les dernières mémoires. Et du coup, voilà. La dernière fois, j'avais dit que je ferais un combat sur Terre, un combat en polaire et un combat chez Aquatique. Mais j'ai pas fait chez les Aquatiques ni chez la polaire. De toute façon, je pense que j'aurais fait chez les Aquatiques, le jeu, il aurait rien compris. Bref, du coup, on a terminé. Ah ouais, mais non, c'est bon, parfait du premier coup. Allez, voilà, 2 étoiles, ce sera déjà mieux. Là, on va le nourrir au niveau max. Et je pense qu'on va se faire peut-être. On va peut-être commencer plutôt les petits défis qu'il y a. On va voir ce qu'il y a. Oh, les combats zénuriques, on fera pas. Par contre, le Liopleurodon, on va le faire parce que c'est un légendaire. Ouais, c'est un légendaire. Oh, putain, plus qu'un jour. Oh, il faut que j'aille vite là, par contre. Herbivore. La Stego. Chinosaurus. Et Ternu. Oui. Non. De toute façon, si jamais Pteranodon il meurt, on pourra toujours gérer son mastodonosaure avec les herbivores, mais ça va être un petit peu plus compliqué. Une attaque. Hop. Voilà, ça le termine. C'est super. Alors ça, vous voyez, c'est un hybride. Bon, je vous avoue qu'il est un peu dégueulasse. Mais ouais, il est quand même fort. Bon, par contre, l'ordinateur, il n'est pas fort. Hein, il est juste nul. Oui, ça le tue en 2 coups. Super. Ah non, parce que pour avoir enfin un nouveau dinosaure aquatique légendaire, je dis pas non, parce que moi j'en ai qu'un seul. Bon, bah là on va le terminer avec cette attaque. En plus, on va avoir une petite animation. Il est vraiment beau le Pteranodon. Oui, moi il m'en faut un deuxième niveau 20 si je veux qu'il ait ces couleurs-là. Comme ça, après je les fais fusionner et après c'est bon, j'ai un niveau 21 que je peux passer jusqu'au niveau 30. Comme ce que j'ai fait pour le T-Rex. Allez, 35 ADN, le prochain combat. Ah non, Métoposaure. Ankylochinosaurus. Ankylodocus, une fusion. Bon, bah, je pense qu'on va pouvoir enchaîner directement. J'aurais bien voulu avoir mon Pteranodon, mais je dépense pas tous mes billets comme ça, je vais les garder. Oh, il est moche! Mais c'est quoi ce truc? Oh, dégueulasse. Je veux dire en plus que ce truc moche, il fait boue, il me met cher. Ah bah en plus il me tue.
Non mais hop, dégage. Ouais, ok, il fait 3 attaques pour me terminer. Ouais, je vous avoue, on est un peu mal quand même. Mais ces deux derniers, ce sont des herbivores. On a un vent. Alors du coup, ils ont une baisse de dégâts et nous, on a une augmentation de dégâts. Ouais, c'est trop risqué. Et là, c'est bon, on le termine. Ouais, c'est bon. Ouf, compliqué ce combat. Vraiment pas facile. Ouais, je pense que j'aurais dû prendre quand même mon pteranodon, mais tu vois, on a quand même géré. Bon, c'est sûr, pour le prochain combat, faut que j'attende que mes dinos, voilà, aient re toute leur... D'accord, qu'ils se réveillent, voilà. Une fois leur petit repos. Ceux-là, c'est quoi les derniers? Ouf, il nous faut le sarco, le chinosaurus, et on prendra le micro. Et Metriacanthosaur, il fait 790 dégâts. Mais il va tuer mes sarcos rapidement. Bon bref, je suis allé tellement vite que j'ai même pas récolté l'argent. Oh, une tour d'observation. Qui est beaucoup plus classe que ceux que j'ai, les postes de sécurité. Voilà. Hop. Ah bah attends. Toi t'es pas niveau max. Voilà. Oh vas-y ouais. Allez hop. Oh tout ce qui fait gagner T-Rex. Ah ouais. Ouf. Ah, si ça me met là, ça veut dire que j'ai pas la place pour installer. Non. J'ai pas encore la place. Est-ce que... Non, trop de billets. Ça coûte trop de billets. Hop, hop, hop. C'est bon. Wow, 1000 billets. Je sais pas si ça m'est déjà arrivé d'atteindre les 1000 billets, mais ouais, quand même. Allez, regardez, rien que le mammouth niveau 1 est déjà hyper puissant. Ah, pas de chaos dans l'équipe. Ouais, il nous faut un dinosaure aérien. Un dinosaure aérien surpuissant, par contre, parce que... Sinon, il va vite mourir. Bon, bref. Du coup, on va faire le combat... Bon, on va faire des combats par... non, pas ici, en fait. Allez. Oh. Pourquoi ça me remet depuis le début? Voilà. Hop, hop, hop. Alors ça que je viens de voir que le Liopleurodon, en fait, c'est un dino avec un coquillage comme mon chronosaure. J'aurais préféré avec un dino de surface ou de grotte, c'est-à-dire avec l'icône grotte et l'icône avec les vagues. Ok, bon, lui est beaucoup moins fort que moi.
Par contre, s'il commence en premier, il me one shot. C'est bon. Ça ne tue pas. Ouais, c'est limite. Vous voyez comment ça rame là? Là, je sais que mon premier tenant est en désavantage, mais on va faire que des points pour aider après le dino qui sera en avantage. Et du coup, il a dû faire un bouclier. De toute façon, à tous les coups, je gagne. Voilà. C'est bon, c'est gagné. Bah tiens, en parlant de Lioplerodon. Alors, oui, alors pour les vidéos sur ARK, j'y suis pas encore. Mais pour le Lioplerodon, il va sortir. Non, ça va. Non, il devrait sortir sur la prochaine mise à jour de ARK. C'est-à-dire pour le patch 257. Du moins, je pense. Hein. Oh non! Oh, Pakistrar! Stop, 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 stop. C'est un pack mystère? Oh là là. Mais non, c'était écrit pack extra rare. C'est quoi ça? D'accord. Ça se trouve, quand ça tombe entre les deux, ça nous donne ça. Ouais, non. Hop. Hop, hop. C'est bon. En combat polaire, c'est souvent un peu lent parce qu'il n'y a pas. Ouais, voilà, c'est bon, on a trouvé. Mais souvent, c'est un peu lent parce qu'il n'y a pas énormément de personnes qui ont des dinos qui viennent de la polaire. Je fais exprès, parce que déjà il me sert à rien. Et on va l'utiliser pour gagner des points. Comme ça, l'Andreus Archus, il va pouvoir bien les gérer. Là, il est mort. Ouais, on va pouvoir faire 4 et 2 boucliers. Voilà. Thank you.
pour l'instant, de toute façon, on a gagné. Il fait deux attaques, mais ça ne tue même pas. Mais je sais pas si j'avais déjà vu auparavant le coup spécial. Bon, plutôt l'attaque spéciale du Smilodon. Ah, si, si, je l'ai déjà vu. Oh, il est beau. Il est beau. Bon, c'est bon. Un peu déçu, hein, tout à l'heure, non? J'aurais dû avoir un pack extra rare, j'ai eu un pack mystère. Bizarre. Bon, bah... Ouais. Du coup, j'ai deux trucs. Il faut vraiment que je gagne de l'XP, mais je sais pas comment je vais faire. Je sais pas comment je vais faire. Je relis, mais si jamais vous entendez du bruit derrière, n'y faites pas attention. Vous en foutez. Par contre, là, la dernière fois, je dis que l'offrenium était nul, mais là, par contre, ça me plaît. 581 points fidélité contre 557 argent. Autant je veux dire que ça me plaît. Bon, bref, voilà. La dernière fois, je vous avais pas fait montrer de petits combats comme ça. J'espère que ça vous aura plu, ce petit épisode sur Jurassic World. Et du coup, je vous dis à plus. Ciao, ciao.